Bonjour à tous, on commence par un secret du jeu qui n'en est plus vraiment un maintenant, mais je vais le montrer quand même pour ceux qui l'ignorent. Pour les autres, vous pouvez passer directement à la rubrique suivante, les informations du jeu si vous le voulez, qui se trouve à 6 minutes et 38 secondes de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur les raccourcis dans la description de la vidéo. A tout de suite. On peut atteindre des stages secrets lorsque l'on tape avec un taser dans les bornes d'arcade. Cela vous permet de récupérer une étoile pour faire un star move, et petite astuce, les bornes d'arcade vous permettent aussi de récupérer toute votre vie une fois que vous en sortez. Dans le stage 2, le commissariat, on combat Jack le lanceur de couteaux. Dans le stage 4, les vieux quais, on combat Zamza. Dans le stage 5, les égouts, partie club de bikers, on combat Abba Dédé. Dans le stage 8, la galerie d'art, on combat Shiva et Mr. X, qui sont tous des boss de Streets of Rage 2. Voici comment on procède.
jeu sera disponible un an sur le Xbox Game Pass. S'il n'y a pas de version collector Xbox chez Limited Run Games, c'est parce que Limited Run Games ne fait que des petites quantités de production et Xbox demande des grosses quantités. Le moteur du jeu est le Guard Crush Engine. C'est celui de Street of Fury EX, conçu spécialement pour les beat'em up. C'est un moteur maison de Guard Crush. En ce qui concerne les éventuels DLC, les développeurs n'ont rien prévu pour l'instant. Ils vont voir si le jeu se vend bien. En tout cas, ils ont plein d'idées et il y aura certainement des mises à jour. Le premier stage de Street of Rage 4 est évidemment un hommage au premier stage de Street of Rage 2. La voiture qui fonce dans le mur est la même voiture que l'on retrouve dans Street of Rage 2. A l'époque, Yuzo Koshiro, compositeur du jeu, participa également au développement. C'est même lui qui avait fait les voix des personnages, même celle de Blaze. Il voulait que cette voiture percute un mur, mais par manque de technique et des problèmes de développement, ils n'ont pas pu le faire. Du coup, les développeurs de Street of Rage 4 l'ont fait pour lui rendre hommage. D'ailleurs, au moment où la voiture se crash, il y a une transition dans la musique. Avec un effet dynamique, elle passe de celle de Yuzo Koshiro à celle de Olivier de Rivière. Un peu comme une passation de pouvoir, car Olivier de Rivière devint le compositeur principal de Street of Rage 4. On y retrouve également le café-restaurant Pine Pot, que l'on voyait dans le premier stage de Street of Rage 1. Dans le jeu, le système de barre de vie verte, que l'on appelle Risk Reward, est directement inspiré de Street Fighter 3 et 4, et indirectement de Bloodborne. Dans le jeu en coop à 2 ou 4, une fois que les dégâts alliés sont activés, lorsque l'on frappe un compagnon, le système de barre verte entre en jeu, ce qui veut dire que l'on peut récupérer cette vie en tapant des adversaires. Par contre, on ne peut plus saisir ses alliés comme dans les opus précédents. Les développeurs se sont aperçus que notamment à 4 joueurs, cela devenait n'importe quoi. Les joueurs passaient leur temps à s'attraper les uns les autres, ce n'était pas fun. Avec les dégâts alliés d'activés, les personnages font plus de dommages que lorsqu'ils ne le sont pas. C'est pour compenser le fait que les joueurs peuvent se gêner. Les niveaux de difficulté jouent sur le nombre de vies, ainsi que les dégâts et la quantité de vies utilisées pour les coups spéciaux. Plus on monte en niveau, et plus les ennemis deviennent agressifs. Leur nombre augmente également. À plusieurs joueurs, les dégâts sont nerfés, mais la difficulté s'ajuste. C'est-à-dire si un joueur meurt, ceux restants taperont plus fort. Les développeurs ont décidé de retirer la course des personnages principaux, sauf Cherry, pour ajouter de la stratégie dans les placements, car ils trouvaient que dans Street of Rage 3, on passait son temps à faire la navette de gauche à droite, en haut en bas, et qu'on perdait cette notion de stratégie. Cherry a quand même une course et Adam a un dash, cela permet de varier le plaisir et surtout les gameplays entre les personnages. Dans Street of Rage 3, la course de Sammy, ou Skate, n'est plus aussi intéressante que dans Street of Rage 2, là où c'était vraiment l'un de ses atouts, car dans Street of Rage 2, il ne tapait pas fort, mais c'est le seul à être rapide, alors que dans Street of Rage 3, tous les persos étaient rapides. Pourquoi il n'y a pas toutes les musiques du jeu dans l'OST ? Tout simplement parce qu'il y a trop de musique et qu'il fallait faire un choix. Pour le mode musique rétro, si on n'entend que les versions 8 bits de Streets of Rage 1 et il n'y a pas les musiques de Streets of Rage 3, c'est pour une raison compliquée de droit. Mais il n'est pas impossible que dans un DLC, d'autres musiques soient ajoutées. Si Vicky ou Roux en Occident n'est pas présent en tant que personnage jouable en jeu, c'est à cause de sa palette de coups qui est un peu cassée selon les devs, mais aussi à cause de la PETA. Ils ne veulent pas avoir les mêmes problèmes que Tekken a eu avec son kangourou rouge, mais il n'est pas impossible de le voir un jour en DLC. La question la plus fréquemment posée aux développeurs est pourquoi il n'y a pas Estelle Aguirre, Shiva et Max dans leur forme Street of Rage 4 de jouable. Mon avis personnel est qu'ils vont être certainement ajoutés dans un DLC s'il y en a un. Pour ceux qui se demandent si les développeurs ont joué à Street of Rage Remake, la réponse est oui. Lorsque l'on fait appel à la police avec les persos de Streets of Rage 1, si on a activé un filtre visuel dans les options, on ne le voit pas sur la police, car ils ont été intégrés au jeu comme un HUD. Les modèles de Streets of Rage 1 tapent plus fort que les autres pour compenser leur faible palette de coups. Dans le stage 6 Chinatown, au dojo, c'est le seul endroit où il y a de la RNG pour l'endroit de pop des ennemis.
La musique Funky HQ, composée par Olivier de Rivière, que l'on entend lorsque l'on entre dans le commissariat, est la préférée de Yuzo Koshiro, le compositeur des précédents Streets of Rage. Non, Axel Stone n'a pas abusé de la bière et de la pizza. S'il a cet aspect, c'est qu'il est massif et a fait beaucoup de musculation. Si vous trouvez que les personnages rétro s'incrustent mal dans les décors de la nouvelle direction artistique pour son côté trop pixelisé, vous pouvez activer le filtre rétro dans les options graphiques. Ça améliore le rendu. Pour atteindre le rang S, il faut terminer le niveau rapidement et il faut faire de gros scores de combo. Pour cela, vous ne devez pas vous prendre de coups pendant votre combo pour ne pas le casser et enchaîner le plus d'ennemis possible. Pour maintenir son combo, on peut détruire les objets et les ramasser. Le temps que les développeurs implantent un mode training, vous pouvez vous entraîner au combo en mode duel sans jouer à deux. D'après donc un mannequin, il faudra juste un deuxième contrôleur pour sélectionner le personnage. Quand on appelle la police avec le Star Move, il faut que l'adversaire soit touché par la déflagration pour prendre les dégâts, à l'inverse de Streets of Rage 1, où tous les ennemis de l'écran étaient touchés directement. Beaucoup de joueurs ne le savent pas, mais vous avez une frame d'invincibilité pendant la montée de votre personnage lorsque vous faites un saut neutre. Dans le stage de la galerie d'art, le poulet en or en exposition one-shot quasiment tous les ennemis. Si vous l'amenez jusqu'au boss, vous aurez un succès ou un trophée. Dans le commissariat, une technique de speedrun consiste à passer dans la salle du boss directement en détruisant la porte sans devoir combattre les flics avec leurs boucliers. Comme dans les jeux de combat, on peut tech, ce qui veut dire que lors d'une chute, on peut retomber sur ses pieds, en appuyant sur la touche saut au moment où l'on va tomber. Cela permet de gagner quelques secondes et parfois de ne pas perdre de vie et de continuer son combo dans certaines situations, comme par exemple quand les punks nous balancent. L'un des ennemis du jeu s'appelle Galcia. C'était en fait une erreur de traduction dans Streets of Rage 2 et Bad Knuckles 3. Une erreur corrigée dans la version occidentale de Streets of Rage 3, car c'est Garcia. Les développeurs ont décidé de garder le nom de Galcia. Pendant le combat contre le boss Nora du stage 2, on y voit un poster de Ash, qui était un boss de Streets of Rage 3, version Jap. Personnage caché, débloquable, censuré dans les versions occidentales, car le personnage est trop efféminé. Les deux boss divas du stage 8, la galerie d'art, s'appellent Rhea et Bio, pour Rihanna et Beyoncé. Estelle Aguirre, l'un des boss du jeu, est inspiré d'une vraie policière qui se trouvait dans le même quartier que le directeur créatif de Lizardcube. Pendant son combat dans le stage 4, Les Vieux Quais, on aperçoit le ballon de volley Wilson du film Seul au monde avec Tom Hanks. Le fait de rentrer dans les bandes d'arcade est un hommage aux films des années 80 comme par exemple City Hunter avec Jackie Chan. Vous l'avez sans doute remarqué, mais les flics qui portent un bouclier dans le stage 2 s'appellent Murphy. Comme Robocop, ces flics portent exactement la même tenue que ceux qui lancent des roquettes dans Streets of Rage 1. Dans le stage 9, la tour Y, la musique et la séquence des bains russes sont inspirées d'une scène du film Les Promesses de l'Ombre.
La musique du stage 7, le métro aérien, s'appelle Aphex Twin, en référence au compositeur britannique électro Aphex Twin. Si la musique du stage 11 avion vous fait penser à Akira, c'est normal, c'est un hommage. D'ailleurs, cette piste s'appelle Akira. Cette anecdote risque d'entouiller plus d'un. La musique de l'ascenseur qui s'appelle Rising Up dans le niveau 9 de la tour Y est inspirée de la chanteuse Mylène Farmer. C'est encore plus révélateur dans la version Expand de cette piste. Je vais vous en faire écouter un passage. Vous n'allez vraiment plus entendre cette musique de la même manière dorénavant. La musique du dojo dans le stage 6 Chinatown est un clin d'œil à Segata Sanshiro, le personnage créé par Sega pour les pubs de la Saturn. We'll be right back.
Dans le même stage, on y rencontre juste avant un ennemi qui se nomme Goro. Une référence à Goro Daimon de King of Fighters et Marco Rodriguez de Garou Mark of the Worlds. L'un des ennemis que l'on trouve dans le stage 9, la tour Y, se nomme Dokuja. Si on change les lettres de place, cela fait Judoka. Sur le mur, on peut y voir un tableau de Mr. X, qui est aussi l'écran de titre de Streets of Rage 2. Le stage 5, les égouts, est bourré de références. Au début, on y voit les tortues ninja avec Splinter, puis Todd, le champignon de l'univers Mario, toujours dans l'univers Mario, le tuyau avec les fleurs, ensuite Sonic et ses anneaux, et Joe Musashi de Shinobi. Un peu avant, on y trouve les signatures en tag de plusieurs membres du développement, comme le compositeur Olivier de Rivière, Cyril Lagarigue, Cyril Imbert, Christian Cortez, Julian New, Ben Fiquet, etc. Dans la partie club de bikers de ce stage, on y aperçoit écrit sur les murs Red Demon MC, qui est un vrai club de motards dans la vraie vie. Et les fans bikers du niveau sont également inspirés d'un vrai groupe de motards. Dans le stage 10, au concert, pendant le combat contre le boss, les jeux son et lumière sont synchronisés avec la musique. Le boss de ce stage se nomme DJ Kawashi. Il représente Motohiro Kawashima. Le compositeur de ce thème de boss est également DJ dans la vraie vie. C'est également le compositeur de Streets of Rage 2 et 3 en duo avec Yuzo Koshiro. Dans le stage 4, les vieux quais, on peut y voir un tag « Where are my pixels ?». Cette phrase est certainement là, en référence aux personnes qui critiquaient la DA lors de la sortie des premières images du jeu. Dans le stage 8, la galerie d'art, juste avant les boss, on peut y voir un sapin de Noël, que je ne nommerai pas autrement, avec marqué dessus « Chipping to Paris ». Il représente une œuvre d'art de Paul McCarthy qui était installée sur la place Vendôme à Paris. Dans le stage 6, Chinatown, on peut récupérer un boomerang en hommage au premier boss de Streets of Rage 1. Dans le stage 8, la galerie d'art, le gros tableau que vous voyez ici à droite est un tableau qui est fait par la mère de Cyril Imbert, le producteur exécutif du jeu. Les autres tableaux de la galerie sont des tableaux de l'entourage de Julian New, l'art designer du jeu. Dans la partie Love, on y voit un B-Elite du manga Berserk. C'est une relique. Contre le combat de Max dans le stage 9 La Tour Y, dans le public, il y a beaucoup de membres du développement du jeu représentés. Ainsi que Donald Glover, alias Childish Gambino, qui a repris des samples de la musique Slow Moon de Streets of Rage 2 pour l'une de ses chansons. Les développeurs n'ont pas voulu aller trop loin dans le changement, comme par exemple implanter des éléments RPG, parce que les gens ont depuis 25 ans des références dans leur tête sur la licence, et beaucoup n'auraient pas accepté ce changement d'identité. Si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de chemin alternatif dans Streets of Rage 4, c'est tout simplement parce que ça coûtait trop cher à produire. Les développeurs réfléchissent à adapter le système d'armure des ennemis, voir comment les joueurs l'appréhendent, s'ils le comprennent bien et si ça ne les frustre pas. Lors des phases test du jeu, les QA ont trouvé que Zan était le personnage le plus puissant du jeu. Le jeu a été conçu en mode difficile à la base et ils l'ont ensuite nerfé. Le jeu a eu à peu près 2 ans et demi de développement et il a été repoussé de 9 mois. Au niveau du online, le jeu n'est pas cross-platform. Par exemple, les joueurs PS4 ne peuvent pas jouer avec les joueurs de Switch. Ça demande beaucoup de tests et le jeu serait alors sorti beaucoup plus tard. Les développeurs avaient prévu de faire un niveau de conduite de moto, mais ils ont jugé que c'était beaucoup de temps et de travail pour un niveau gadget. Dans le stage 7, métro aérien, au début du développement, les devs avaient mis en place un super parallaxe avec des trains qui passaient devant, mais ils trouvaient que l'on ne voyait rien, alors du coup, ils l'ont retiré. Le compositeur Olivier de Rivière avait tellement peur d'être le compositeur principal du jeu qu'il a hésité au début à prendre un pseudonyme japonais car c'était beaucoup de pression. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans cet environnement, au sol, il y a un portrait de Mr. X. Un patch d'équilibrage est en cours de développement pour rendre Axel Stone plus attractif. Personnellement, je pense que Cherry aurait besoin aussi d'un petit up. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires.
et on vient d'apprendre qu'il y aura bien du contenu additionnel pour le jeu et que Dotemu est déjà au travail sur 3 projets similaires à ce jeu, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et voilà, c'est terminé. Évidemment, il y a plein de références dont je suis passé à côté. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires. C'est ma première vidéo de ce type, je vous remercie de l'avoir regardée entièrement. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à très bientôt. Ciao !